avec Jérôme Guillevic de l'IRSN. On va jouer à un petit jeu. Donc, je pense que vous le voyez sur vos écrans. Nous sommes dans une maison. Je pose les fiches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Guillaume ? Jérôme, pardon. Ouh là là. Alors, d'abord, une petite introduction sur le sujet. Oui. Donc là, on va discuter d'un gaz radioactif naturel qui s'appelle le radon. C'est un gaz, donc. Donc, c'est un gaz, effectivement, qui existe partout à la surface de la planète et qui a la mauvaise habitude de s'infiltrer dans les bâtiments. Et, la mauvaise habitude. Oui, c'est-à-dire que... S'il est partout, pourquoi il s'infiltre ? Donc, il s'infiltre préférentiellement dans les bâtiments parce que c'est fermé, voilà. D'accord. Et comme c'est fermé, il s'accumule et il peut présenter des risques pour la santé, donc... ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller le mesurer un peu partout et puis d'essayer de diminuer sa concentration. Alors, il n'est dangereux effectivement que quand on est exposé très longtemps. Mais voilà, donc on essaye de faire D'accord, en sorte... D'accord, donc ce gaz, il est produit par quoi ? Il vient d'où ? Il est présent naturellement ? Il y en a par Surtout défaut dans le sol. Ou... Il y en a partout dans le sol, en fait, dans les roches. Le sol. Et, okay. Et en fait, comme c'est un gaz, il migre vers la surface. Mm-hmm. Et puis, dès qu'il trouve un endroit où s'accumuler, donc ça peut être une cavité dans le sol ou une habitation, eh ben, il va s'accumuler progressivement. D'accord. Donc, on va regarder ça tout de suite dans notre maison. Et puis, comme ça, vous pourrez nous commenter tout ça au fil du jeu. Alors, quel est le but du jeu, là, Jérôme ? Alors là, vous avez des petits dosimètres. Une petite souris. Ouais. Et puis, voilà, un petit hamster. Donc, ce que le hamster doit faire, c'est déplacer le dosimètre et le mettre à des endroits où on doit le mesurer. La question, c'est où est-ce qu'il est plus facile et le plus évident de le mesurer ? Donc, voilà, vous pouvez le déplacer là où vous voulez. Je choisis de le mettre dans le grenier. Non ? Voilà, alors... Trop loin. Alors, effectivement, là où on va le mesurer, on va chercher à le mesurer là où on passe le plus de temps. D'accord. On appelle ça les pièces à vivre, les pièces de vie. Mm-hmm. Donc, c'est la chambre, le salon. C'est plutôt dans des pièces comme ça qu'on va chercher à le mesurer. Alors, on essaye dans la chambre. Voilà. Donc là, j'ai bon. Excellent choix. Excellent choix, me dit le hamster. Excellent choix, voilà. Parce qu'on passe du temps dans la chambre. Et pour mesurer... l'exposition qu'on a à ce gaz, le mieux, c'est de le mettre là où on est le plus longtemps. Alors, le dosimètre, c'est quelque chose qu'on place, nous, comme dans le jeu, là ? Si, oui, tout à fait, comme dans le jeu. Il faut faire venir quelqu'un pour... Non, on peut le commander sur Internet, c'est très facile. Ça ne coûte pas très, très cher. Je vais en mettre un dans le salon. Allez, hop, je vous écoute. Hein. Voilà, ça ne coûte pas très cher, ça coûte combien, à peu près ? Bon, ça coûte de l'ordre d'une dizaine d'euros. Alors, il y a des kits qui sont où il y a un seul dosimètre, ou alors on peut en avoir trois. Mm-hmm. C'est de la dizaine à quelques dizaines d'euros. Et puis, là, dans une maison, par exemple, s'il y a plusieurs pièces à vivre, si on en a trois, on peut les mettre là où on passe le plus de temps possible. Alors, voilà. Dans la cuisine, on y passe beaucoup de temps ? Ah ben non ? Non, la cuisine, on y passe moins de temps. Donc, effectivement, donc, après, c'est moins pertinent de le mettre dans la cuisine parce que, a priori, on y passe moins de temps. Donc, dans la salle de bain, ça va être la même chose, du coup ? La salle de bain, ça va être la même chose, voilà. Ok, le grenier, on a déjà vu. La cave, on n'en parle pas. Et là ? Alors, la cave, ce qui est intéressant dans la cave, c'est qu'effectivement, on peut en avoir beaucoup plus dans la cave parce qu'on est vraiment près du sol. Parce qu'on est près du sol, voilà. Non, on y passe peu de temps. On est près de la roche, en tout cas, mais on y passe peu de temps. Par contre, ça peut être par cet endroit-là, par la cave, que le radon s'accumule et passe. Donc, ça peut aussi donner une indication. S'il y a beaucoup de radon à la cave, c'est peut-être là qu'il faudra agir en premier pour réduire la concentration dans tout le reste du bâtiment. Parce que de la cave, ça peut se disséminer partout dans le bâtiment. Mais alors dites-moi, parce que tout ce qu'on fait là, ça a une raison. C'est-à-dire que le radon, donc c'est pas bon pour nous, mais qu'est-ce que ça nous fait ? Alors, le radon, c'est un cancérigène pulmonaire. Donc, donc quand on est exposé très longtemps, donc c'est plus de la dizaine d'années, hein, 10, 15, 20 ans, à un certain niveau d'exposition, on peut... Je dis bien, on peut déclencher un cancer du poumon. Voilà. Donc, et ça, on l'a constaté en suivant les corps de mineurs d'uranium qui étaient exposés souvent à ce gaz et qui présentaient des pathologies cancéreuses. D'accord. Cancéreuses, donc on l'a pas. C'est pas quelque chose qu'on a observé chez nous. Dans nos maisons, on l'a observé. C'est beaucoup plus rare. Il ne faut pas non plus se mettre la panique totale. C'est-à-dire qu'on est à des concentrations plus basses dans l'habitation. Voilà, donc on n'y passe pas non plus, on n'est pas tout le temps dans là, sa cave, etc. Là, on les voit, hein, d'ailleurs, les concentrations. Mais ceci dit, voilà, on sait qu'il faut essayer de réduire autant que possible. On estime que le nombre de décès associés à ce gaz-là est à peu près équivalent au tabagisme passif. C'est pour donner une estimation du risque. Oui, voilà. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, voilà. Et dernière question avant de vous laisser rejoindre Fred. Dans notre maison, qu'est-ce qu'on peut faire pour une fois qu'on a fait les mesures du radon, qu'est-ce qu'on fait ? On calfeutre tout ? On peut pas ? Alors, parce que ça vient du sol. Voilà. Alors, c'est pas toujours évident. En fait, ça dépend du niveau
que l'on mesure. Si on est à des niveaux qui sont relativement bas, la valeur qui est recommandée, c'est 300 becquerels. L'unité utilisée, c'est le becquerel. Quand on est un peu au-dessus, bah, des barrières d'aération pour favoriser l'aération de la maison, ça peut être suffisant. Quand on est à des niveaux de l'ordre du millier de becquerels, là, par contre, dans ce cas-là, il faut parfois mettre un système de ventilation dans la maison, limiter les fissures, boucher les fissures dans les sols, etc. Bah, alors, aérer, faut... je suppose, comme alors, pour les aérer, acariens, voilà, mais on aère, on le mieux, c'est d'avoir des travaux avec des expertises bâtimentaires. Donc, il y a des experts bâtimentaires hein, qui peuvent guider sur les choix, les meilleurs choix adaptés pour réduire l'exposition au radon. Ben merci Jérôme. De rien. Merci d'avoir joué avec moi. Je vous invite à rejoindre Fred qui vous attend au bar de la science. D'accord, merci. Au revoir. Merci. Venez nous rejoindre. Jérôme Guilvic, venez nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Nous sommes toujours au bar de la science avec Christian Clos, aventurier et parrain de la fête de la science qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Pendant quelque temps, c'est cet après-midi, et puis à côté de oui. Christian, Jean-François Botelier de Poivre, vous êtes adjoint au directeur de la santé de l'IRSN. Je rappelle que l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Faut pas avoir peur, Christian. J'en avais le nid un petit peu. Non, je, au contraire. Monsieur n'est pas radioactif, je me promets. Tu es entre de bonnes mains. Ok, ça roule. Tu es entre de bonnes mains. Je pense. Ah, d'accord. Il est au service santé, tout va bien. Ah, ouais. Bon, j'ai eu peur un petit moment. Hein. Tiens, d'ailleurs, c'est extrêmement, enfin, j'allais dire drôle, non, c'est curieux, parce que quand on pense, allez, quand on parle de radioactivité, on pense à quoi? On pense centrale nucléaire. Bon, c'est à peu près ça, notre première réaction, normalement. Alors que nous sommes tous exposés à la radioactivité naturelle. Ça, c'est incroyable. Là, on vient de parler du radon. Oui. Alors, le radon, dites-nous qu'est-ce que c'est, plus précisément. Alors, plus précisément, c'est un descendant d'un radionucléide qui s'appelle l'uranium, qui est un radionucléide qui est présent dans la croûte terrestre depuis le début de la création de la Terre. Et forcément, comme c'est un gaz, et ben il s'échappe. Lui, ce qu'il cherche, c'est à s'échapper de la matrice Sol, et puis il va aller vers l'atmosphère. Donc c'est pour ça qu'on retrouve dans l'environnement naturel... De la radioactivité. On retrouve de la radioactivité, enfin en tout cas du radon, parce qu'il n'y a pas que le radon, évidemment. Oui, oui, bien sûr, mais, on va y venir. Mais c'est pour ça qu'on se retrouve. D'accord, on le trouve dans certaines roches, en particulier le granit. Voilà. Donc ça veut dire que des régions comme la Bretagne ou la Corse sont exactement, tout plus à fait. Exposées. Donc on est plus exposé dans certaines régions, parce qu'il y a des roches qui contiennent plus d'uranium. Donc vous avez cité deux très bons exemples. Alors il y a le Massif Central aussi. Mm-hmm. La Corse, on en trouve beaucoup. Et là où on retrouve beaucoup de radon, il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a plus d'uranium, forcément. Donc il y a du rayonnement gamma. D'accord. Aussi. Bon, pas de panique hein, quand même. Hein. C'est la fête de la science. Hein. Je ne sais pas si vous entendez, hein, mais ça chante, il y a des orchestres derrière et tout. Tout est normal, c'est la fête de la science. Oui, il ne faut pas inquiéter les gens non plus, mais enfin, vous faites quand même de la prévention sur le radon. Là, vous sortez un jeu pour dire, bah, faites attention, en bas, en haut, où est-ce qu'on met les détecteurs, où est-ce qu'on... On observe s'il y en a. Pour quelles raisons ? C'est que ça présente des risques quand même ? Oui, effectivement, on estime que le nombre de décès associés à la présence du radon est équivalent au tabagisme passif, c'est ce que j'évoquais. Ça représente entre 1000 et 4000 morts par an. Alors après, entre 1000 et 4000 morts entre 1000 et 4000 décès que l'on peut attribuer directement. Alors c'est la difficulté, c'est une très bonne question, c'est que c'est pas facile. On utilise des méthodes épidémiologiques, c'est-à-dire que c'est en observant un grand nombre de personnes qu'on arrive à regarder si on a un excès de décès par rapport au nombre de décès attendus. Donc on ne sait pas dire telle personne est décédée du radon. C'est pas foudroyant, hein, c'est une longue exposition, je suppose. Exactement, c'est aussi une longue exposition. Et c'est aussi, alors ça va aussi avec la prévention du tabagisme, parce qu'on observe des effets synergiques donc, et additifs entre le tabac et le radon. Donc c'est tout un environnement qu'il faut essayer d'améliorer pour réduire les risques de déclencher une pathologie type cancer. Voilà. D'accord, d'où le rôle de prévention, de bien aérer sa maison, de savoir, au moins de se renseigner, savoir où on habite, faire les mesures nécessaires. Et ensuite, y a les moyens que vous avez évoqués tout à l'heure, des systèmes d'aération, etc. Et voilà. Mais ça fait partie des risques de la nature hein, aussi, et qu'on ignore souvent. Je voudrais qu'on continue, parce que là, on parlait du radon, mais quand on parle des sources d'exposition à la radioactivité, on va voir quelques chiffres qui sont intéressants. Alors d'abord, il y a le radon,
ça représente combien, ça, dans l'exposition, dans les sources au total? Alors, c'est... On l'a là. C'est le premier, effectivement. Donc, c'est la première source d'exposition. 32%, voilà, un tiers. C'est même un chiffre qui est amené à augmenter parce qu'on s'est rendu compte que il était, enfin, en tout cas, les effets étaient un peu plus élevés. D'accord. Donc, en tout cas, on peut parler presque d'une moitié. Après, d'accord, ça dépend vraiment, comme vous l'avez dit très justement, des endroits où on va vivre en France. D'accord. Hein, il y a des endroits où ça va devenir plutôt 70%, des autres où, donc, en région parisienne, par exemple, on est moins exposé au radon. Ça, c'est le 32%, c'est 32% de quoi? De l'exposition Alors, de l'exposition, quand on prend un ensemble de sources, donc oui, on a l'exposition... Ok. Alors, on a par exemple l'autre 32%. C'est sur l'ensemble des sources d'exposition. On a 32%, c'est le radon. Ça représente un chiffre important. 14%, c'est le rayonnement terrestre ou tellurique. C'est ça. C'est un peu de précision quand même là-dessus, ça veut dire quoi? J'évoquais tout à l'heure l'uranium présent dans les roches et qui donnait le radon. Bah, là où il y a beaucoup d'uranium, il y a beaucoup de radon, mais il y a aussi beaucoup de rayonnement gamma. Donc en fait, c'est un flux de rayonnement qui provient du sol. Et okay, on en a plus en Bretagne et en Corse. Aussi. D'accord. L'immobilier va chuter là. Pour autant, il fait très bon vivre là-bas. Ok. 12%. Alors là, c'est 12%, c'est incroyable, dans l'eau et les aliments. Oui, tout à fait. Il y a des aliments et de l'eau radioactive. Alors, effectivement, à partir du moment où on a de l'uranium dans les roches, tout ce qui est au contact des roches, comme l'eau, dans certains massifs, présente aussi de la radioactivité. Ça, c'est un exemple. Il y en a un autre qui est tout ce qui est organismes qui vivent dans les milieux marins. Donc, dans les moules, par exemple, dans les crustacés, on se retrouve aussi avec des radionucléides. D'accord. Naturels, et on en ingère. Voilà. Donc, alors après, pour autant, il ne faut pas se dire, parce qu'il y a beaucoup de radioactivité, le risque est extrêmement élevé. Hein. Je veux dire, on vit tous dans un environnement... On va y revenir, ça, voilà, c'est l'exposition de chacun. Alors ensuite, mais ça aussi, on va y revenir, parce que c'est votre domaine en particulier, hein, dont on va parler tout à l'heure, Jean-François Bottelier, c'est le rayonnement cosmique. En deux mots, le rayonnement cosmique, parce qu'on va y revenir. Le rayonnement cosmique, ce sont des ions qui vont du proton à des ions plus lourds, qui sont d'origine galactique et extragalactique. Qui sont accélérés à des énergies très très élevées. Voilà, donc. D'accord, on va y revenir parce que ça concerne particulièrement le personnel navigant et bien évidemment les gens qui se rendent dans l'espace. On va y revenir tout de suite. Ensuite, on regarde rapidement les expositions artificielles. La médecine, les radios. Les radios, ça paraît logique que l'on subit. Et puis alors, moins d'1%, vous n'avez pas trafiqué les chiffres là, hein, vous me rassurez. Ok, c'est quoi? C'est l'industrie, la recherche. Donc là, ça touche un personnel très particulier qui travaille dans le domaine du nucléaire. Ce chiffre-là, il correspond à l'exposition de la population générale. Hein, ce qu'on mesure effectivement dans l'environnement proche des centrales nucléaires est mesuré à des niveaux qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on mesure, on parlait du radon et de l'uranium, qui sont mesurés à des niveaux bien plus élevés. Voilà, c'est ce qui fait que ce chiffre est bas pour la population générale. Je me retourne peut-être... Oui, Christian. Du coup, on a en moyenne 4,5 MSV par an. Quel serait un chiffre, un taux dangereux pour l'humain? Alors, dangereux pour l'humain, c'est pas simple. Peut-être que tu peux répondre plus sur l'aspect sanitaire, mais... Je voudrais juste, avant de répondre à la question, qu'on donne un petit mode d'emploi, parce que tu as dit très vite MSV. Une dose, c'est 7 en millisievers. Voilà. Ça, c'est la dose. Et on a vu que la moyenne, c'était 4,5, ce que disait Christian. Donc la question, c'est quoi la par question, rapport au danger? La dose seuil à partir de laquelle on voit un effet à long terme, donc c'est une induction de cancer, c'est la centaine de millisievert. C'est une centaine de millisievert. Voilà. Donc c'est un chiffre qui est basé sur des études épidémiologiques suite à Hiroshima et Nagasaki. D'accord. Ça, c'est vraiment, à partir de là, une exposition qui est vraiment dangereuse. Dangereuse. Au-delà de 100 millisievert, on commence à avoir une augmentation du cancer à long terme. D'accord. Donc, nous, l'exposition moyenne, c'est 4,5 millisieverts, c'est ça? Par an. Par an. OK. C'est la moyenne pour les Français? C'est la moyenne pour la population française. Il y a un chiffre toléré, il y a un chiffre légal, il y a quelque chose qui existe? Alors, le chiffre légal, pour les travailleurs, il y a une limite annuelle qui est à 20 millisieverts. Et pour la population, il y a une limite annuelle...
qui est à 1 millisievert, mais 1 millisievert, c'est la radioactivité ajoutée due à une activité humaine. Hein. Ça n'inclut pas tout ce qui est naturel et tout ce qui est radiodiagnostic, parce que dans les 4,5, vous avez également tout ce qui est lié au radiodiagnostic médical. Quand vous allez passer une radio, par exemple, c'est compris dans les 4,5. D'accord. Dans le document là, que vous nous sortez, bon, il y a beaucoup de chiffres pour essayer. Quand on va complètement à droite, on voit aviation, personnel navigant. Là, on a 2,1. Manifestement, parmi les professionnels, ce sont ceux qui sont les plus exposés. Mais alors, là encore, à des radiations qui sont complètement naturelles, c'est le rayonnement cosmique qui nous vient de l'espace. Absolument. Donc, à bord des avions, on a un rayonnement qui est 100 à 200 fois plus intense que celui qu'on a au niveau du sol. Donc, comme je le disais tout à l'heure... Parce qu'ils ne s'arrêtent pas quand même, ils viennent jusqu'au sol, ces rayons. Alors, les rayonnements cosmiques viennent de la galaxie, et il y a une partie qui vient du Soleil également. Le Soleil, en particulier lors des éruptions solaires. Ouais. Donc, c'est ces deux composantes-là qui vont interagir avec le champ magnétique terrestre et l'atmosphère. Donc, on est protégé par le champ magnétique et l'atmosphère. Pour vous donner une idée, l'atmosphère, c'est à peu près l'équivalent de 10 mètres d'eau. Donc, ça nous protège contre ces rayonnements. Donc, n'en arrive au niveau du sol qu'une partie, et le champ magnétique nous protège également. Donc. D'accord, mais quand on est entre 10 et 12 000 km d'altitude, là, à ce moment-là, on reçoit des particules. Alors, quand je parle du personnel navigant, c'est nous aussi si on voyage beaucoup. Ah ben, quand je vous dis, à bord d'un avion, on est exposé à 100 ou 200 fois plus pour la partie cosmique, hein, qu'au niveau du sol, voilà, pour vous donner une idée. Ouais. Pour une autre idée, un voyage aller-retour New York, par exemple, c'est l'équivalent d'une radio du thorax. D'accord, on va le voir parce que vous avez sorti un site. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que ces rayons-là, ils ne s'arrêtent pas avec la protection, avec l'enveloppe de l'avion. Alors, ce sont des rayonnements très énergétiques, donc il faudrait des blindages très, très épais qui sont incompatibles avec... le fait de faire voler un avion, voilà, donc on les mesure, mais il est très difficile de s'en protéger, effectivement. Non, mais on pourrait s'imaginer qu'on les reçoit simplement quand on est dans le cockpit avec les pilotes, voilà, et que ça passe à travers les pare-brises ou à travers les hublots de l'avion. Ça passe absolument partout. Mais qu'on soit dans le cockpit ou dans la cabine, on reçoit globalement la même chose. D'accord. Et donc, quand elles entrent dans l'atmosphère, en plus, il y a un effet de gerbe, non, qui se crée. Alors, ce sont des ions très énergétiques et ils vont aller interagir avec les particules de l'atmosphère et créer, comme vous le dites, des gerbes. Donc, il y a vraiment des gerbes de particules secondaires et elles-mêmes sont également radioactives et vont interagir et vont générer de la dose si on se trouve à cet endroit. D'accord. Alors, dites-nous, vous avez ouvert un outil numérique intéressant. On en voit ici. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour le personnel navigant. Personnel navigant qui est suivi de très près, d'ailleurs, par vos services. Voilà. Alors, pour nous, là, donnez-nous quelques exemples. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce site ? Alors, c'est un site où on rentre l'information, en gros, que l'on a sur un billet pour le public, le départ, l'arrivée, la durée du vol, l'heure. Et le système vous calcule une dose et vous donne le nombre de microsieverts que vous avez reçu pendant le vol. Alors, par exemple, je vous donnais un exemple tout à l'heure, un Paris-Washington. Paris-Washington, à Paris-San Francisco. C'est à peu près 120 ou 130 microsieverts. C'est-à-dire l'équivalent de, pour nous, d'une radio. Donc, par rapport à la dose annuelle tout à l'heure, on la compare à 4,5, il faudrait faire une trentaine de vols aller-retour pour arriver à cette dose. D'accord. Voilà. OK. Enfin, il y a des gens qui voyagent beaucoup. Il y a des gens qui voyagent beaucoup. Donc, c'est pour ça que les personnels navigants reçoivent en moyenne une dose par an de 2,5, de 2 millisieverts par an. D'accord. Dans quel but ? Parce qu'a priori, bon, le risque, il n'est pas si énorme que ça. Dans quel but vous avez ouvert ce site ? C'est dans un but d'information ? Tout personnel qui est exposé à des rayonnements ionisants doit faire l'objet d'un suivi dans le cadre de son activité professionnelle. Donc d'où ce site, parce que l'intérêt et l'avantage des rayonnements cosmiques, c'est qu'on a des modèles qui fonctionnent très bien. Oui. Donc plutôt que de porter un dosimètre qui est très contraignant, on peut le calculer. Il suffit de connaître le plan de vol et le nombre de vols réalisés pour une personne donnée. Et tous les mois, on peut calculer la dose reçue
par un personnel donné. Exactement comme on peut mesurer notre bilan carbone, en fait, quand on prend c'est l'avion. À peu près ça. On peut calculer aussi ce que l'on reçoit en Sivort. Sauf que vous ne pouvez pas le revendre. Mais... Sauf que là, vous ne pouvez pas le revendre. On va créer un marché du millisievert. Ce serait intéressant. Merci beaucoup pour ces explications.